病に侵されている世界は争いを繰り返している世界は言葉で傷つけ合っているこんな時代だからこそ逃げるわけにはいかない!!「アスタ」は俺のライバルだ俺が守る絶望を切り開く物語を「ブラック・クローバー・モバイル」さあアニメをプレイしよう事前登録受付中 monde et salut tout le monde des bonnes nouvelles on a eu je vous ai laissé cette petite entrée en vidéo avec ce nouveau trailer avec les voix pour la version japonaise du jeu aujourd'hui on va parler de date de sortie de soft launch de changement de ce qu'on a eu lors du live stream pour ceux qui n'étaient pas présents et on va parler de pas mal d'autres choses je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément plaisir on se retrouve sur Ma euh, page Twitter, les amis, là où je publie les trois quarts des informations. Et aujourd'hui, enfin depuis une bonne semaine, voire deux semaines, nous avons eu que des bonnes nouvelles concernant euh, Black Clover Mobile. Aujourd'hui, on va attaquer les sujets de la date de sortie. Une date de, de sortie plus précise qui concerne la version JP et coréenne. Ce qui se passera avec la version malheureusement euh, globale. Il y a quelques changements euh, sur l'interface, sur lui euh, dans le jeu, que je ne montrerai pas en image et que je vais juste expliquer. Et je vais également parler de la promotion du jeu qui a lieu à l'heure actuelle au Japon dans les gares de Shibuya. Et euh, de Shibuku ou Shinjuku. J'ai oublié le nom exactement. Mais bref, vous m'avez compris. Pour vous donner un ordre d'idée. En regroupant les deux gares, ils comptabilisent environ 2,5 millions de passagers par jour, par jour. Et récemment, nous avons atteint les 100 000 préinscriptions sur euh, la version japonaise. Ils ont également balancé les news et les préinscriptions sur la version coréenne. Et un article est tombé récemment concernant la date de sortie. Tout d'abord, je vais vous parler un peu... Euh, de ce qui se passe autour de cette fameuse promotion Let's go On y go Voici ce qui se passe un peu C'est incroyable Là c'est pas seulement une image hein. C'est une vidéo qui tourne en boucle dans les gares Et ça ça dure jusqu'au 20 euh, mars C'est énorme Concernant euh, La promotion du côté des coréens De la version coréenne euh, Ils ont pris Raon League Qui, qui je pense, la plupart d'entre vous la connaissent, qui a fait pas mal de covers, énormément de covers, euh, sur les openings, sur les openings des Webtoons, des animés, etc. Et personne n'a jamais été déçu de la qualité qu'elle a proposée, que ce soit sur les euh, covers de Black Clover, de One Piece, de euh, Hunter Hunter, euh, de Dragon Ball, etc. etc. et d'autres animés plus ou moins connus. Ça a été vraiment un, une surprise. Une surprise pour moi de, de l'avoir justement derrière ça. Et ça fera une très très belle promotion car, car sur sa page YouTube, enfin sur sa chaîne YouTube, elle comptabilise plus de 4 millions d'abonnés. Ce qui fait que la promotion de son côté sera énorme. Je ne sais pas combien ils l'ont payé. Mais ça va être énorme. Je pense que euh, concernant euh, la promotion, elle va être similaire ou plus, plus ou moins ressemblante à celle de la version euh, japonaise, dans le sens où la version japonaise, enfin le studio japonais, a fait une promotion dans les gares, dans les rues, etc. etc. Quand je dis dans les gares et dans les rues, à peu près ça donne à peu près ça. C'est énorme. Hein C'est énorme. C'est pas tout. Là, on a l'icône et tout. Il y a aussi deux trois bonnes 2-3 euh, mauvaises nouvelles, mais c'est très minime. On va en parler après. On va également parler des préinscriptions pour la version globale. Voilà, on a également ça. C'est incroyable. Et voilà, les euh, bandes murales pour la promotion du jeu. Il n'y a pas que euh, Asta, il y a euh, Noël, Yuno. Et derrière, on a euh, Yami. Et voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est trop beau. La qualité, elle est incroyable. Ok. Et du coup, en parlant de promotion, comme vous l'avez vu, ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet avec ces nouveaux trailers. Ils ont ajouté... Ils ont... Euh, Entre-temps, ils ont euh, publié deux trailers. Celui que je vous ai montré en début de vidéo. Et euh, le dernier, récemment, qui a été publié. On va remonter. On va remonter, on va remonter, on va remonter. Voilà. 2023年ハイクオリティなグラフィックとシームレスなアニメション演出で、ブラクロのモノガタリガンちょっと長ンサレルアキラメナイる。ガーオレノマホーダー Concernant euh, le jeu, euh, ça ne sera pas des voix déjà préenregistrées depuis euh, la série d'animation, du coup, depuis euh, l'anime, mais ça sera euh, des voix authentiques qu'ils ont pris pour euh, la version coréenne et la version japonaise. Du coup, et, ils se retapent tout depuis le début. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu de retard concernant ça, parce que euh, les ayants droit sur euh, les, les, les voix, du coup, euh, Pierrot. TVT Tokyo et tout ils ont, euh, ils ont mis un peu euh, ils ont mis du euh, un peu de temps à les avoir et derrière aussi des, euh, des, des ajustements in game sur l'interface sur euh, le réajustement des personnages également et vous allez voir que vous allez pas être du tout déçu. D'ailleurs pour le lancement du jeu, euh, on avait vu sur le live stream qu'on avait eu Vanessa et Finral dans, euh, dans le roster des personnages du lancement du jeu. Et ça, c'est un énorme point. Et oui, on va fumer la version JP parce qu'elle compte sortir avant la version globale. Un article a été partagé aujourd'hui même. Ah oui, petite parenthèse, on reprend ça. Le... Euh fameux euh, le fameux euh, single de gle qui a été publié le 20 février si je ne dis pas de bêtises le 24 plus précisément hum, il a fait 1,4 million de vues c'était le premier opening le premier opening très, euh, teaser pour le jeu il a fait 1,4 million de vues sur la chaîne sur euh, la chaîne de Glay bien sûr. Et derrière, le nouveau trailer qui a été ajouté récemment. C'est quoi bon. Qui a été publié il y a deux jours sur la chaîne de Black Clover mobile japonais. A fait 329 000 vues. Et ça, et ça ça promet du lourd pour la suite. Je pense qu'on va atteindre rapidement les 500 000. Et on fera entre 1 million et 200, euh, et 1 million et 2 millions de préinscriptions Total pour cette version japonaise. Pour la version globale, ça, euh, les prescriptions vont arriver courant, euh, courant mars, et le jeu pourrait arriver entre fin euh, du, premier, du premier semestre, du coup, fin du deuxième trimestre et début du troisième trimestre. N'oublions pas que semestre ça représente six mois et trimestre ça représente trois mois. Ok, pour ceux qui se perdent un peu avec ces mots là. Et euh, et après. Et après, comme je dit, Jab le frérot, euh, le jeu mobile pour la version JP et coréenne devrait sortir en avril, révélé dans une interview euh, de la part des chercheurs analystes euh, qui s'occupent un peu euh, du centre de Pearl Abyss et v Game Studio, et, euh, et ils se sont quasiment jamais trompés sur les dates de sortie, sur le fait que ça soit euh, que ça soit Retardé ou non, et on peut leur faire entièrement confiance, et ça, c'est un énorme point. Voilà, euh, ça sera tout pour cette vidéo. Normalement, j'ai tout dit, j'ai tout donné, et c'est tout. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.